Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes peut-être développeur. Et ça tombe bien, car on va se poser une question assez importante. Est-ce que l'intelligence artificielle va voler votre travail? Aujourd'hui, des modèles de machine learning sont capables d'écrire du code. Alors, certains d'entre vous vont dire « c'est pas nouveau, on parle de génération automatique de code depuis des années ». Et c'est vrai. Mais le truc, c'est que ces derniers mois, on est vraiment en train de passer un cap. Ces méthodes, elles deviennent de plus en plus efficaces. Et c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, je trouve. Du coup, on va explorer tout ça dans cette vidéo. On va regarder quelques exemples plutôt impressionnants et je vais répondre à cette question toute simple. Est-ce que ça fonctionne vraiment ou bien ces exemples sont-ils faux? C'est parti! Il y a quelques jours, je suis tombé sur un tweet qui m'a interpellé. Son auteur est un start-upper tech de San Francisco et dans son tweet, il montre cette capture d'écran. Dans la zone de texte à gauche, un utilisateur décrit une application. Il dit qu'il lui faut un bouton pour ajouter 3$. Et un autre bouton pour retirer 5$. Et ensuite, il précise qu'il souhaite que le solde du compte soit affiché. Et alors, il clique sur le bouton « Générer » et on voit sur la partie droite de l'écran que sa description est devenue réalité. Il y a bien une interface avec deux boutons et avec un affichage du solde du compte. Et pour ceux parmi vous qui sont développeurs front-end, si on regarde un peu plus bas, on voit que du code React JavaScript a été rédigé. Alors, est-ce que c'est un fake ou bien est-ce que c'est réel? La question est importante, car en 2020, il y a eu un grand nombre de démos comme celle-là. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Car avant, j'aimerais qu'on décrive un peu comment fonctionnent ces outils. Eh bien, en fait, la technologie qui se trouve derrière ce genre de démos, ce sont des modèles de langage. Un modèle de langage, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de générer du texte sur base de texte. Et on peut l'utiliser pour différentes tâches. L'un des exemples les plus évidents est l'autocomplétion. Vous en faites tous l'expérience lorsque vous écrivez un message avec votre smartphone ou bien lorsque vous rédigez un email en utilisant Gmail Smart Compose. Un autre usage des modèles de langage, c'est la traduction automatisée. Et il y a d'autres exemples encore. Les modèles de langage, ils peuvent aussi servir à faire de la reconnaissance optique de caractère ou bien à reconnaître la parole pour interagir avec un assistant virtuel comme Siri ou Alexa. Et vous l'avez sans doute constaté depuis quelques années, les outils de traduction automatisée, de reconnaissance vocale ou d'autocomplétion, ils sont devenus clairement plus performants qu'avant, mais vraiment plus. Le temps où on se moquait des traductions foireuses de Google Traduction, il commence à être derrière nous. Car ces modèles de langage, aujourd'hui, ils ont une compréhension très solide du français, de l'anglais, de l'allemand, etc., etc. Mais au fond, si on y réfléchit, Python, JavaScript, etc., ce sont également des langages. Bon, ok, ce ne sont pas des langages naturels, mais ce sont des langages quand même, non? Alors, je vais revenir là-dessus dans une minute. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais vous remercier d'être là. La dernière vidéo a obtenu plus de 10 000 vues en 4 semaines. C'est énorme, je ne m'attendais pas à ça. Merci à chacun d'entre vous. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, car vous êtes 86% à me suivre sans être abonné. Alors si vous voulez me soutenir, cliquez sur le petit bouton rouge en bas de l'écran, ça va nous aider à faire grandir la chaîne. Alors on revient à la question que j'ai laissée en suspens. Est-ce que les modèles de langage peuvent être utilisés pour générer du code? Eh bien la réponse est oui, un grand oui. Et du coup, les progrès qu'on est en train de faire dans l'autocomplétion, dans la traduction automatisée, etc., etc. Ces progrès, vous allez les voir apparaître rapidement dans l'écriture automatique de code. Et ça, les entrepreneurs, ils l'ont bien compris. Et il y a beaucoup de startups qui cherchent à lever des fonds dans ce domaine. Et d'ailleurs, elles n'ont pas de mal à trouver des investisseurs. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ça intéresse les investisseurs? Eh bien, tout simplement parce que écrire du code, ça prend du temps. Et en plus, les développeurs sont une ressource rare, et donc plutôt chère. Et tout ça dans un marché du développement d'applications qui ne cesse de croître. Et du coup, pour faire face à ces défis, beaucoup cherchent des alternatives. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler du low-code ou bien du no-code. L'idée, c'est de pouvoir concevoir des applications sans rédiger une seule ligne de code. Comment? Eh bien, grâce à des interfaces graphiques qui seraient super bien pensées. Et ce type d'outil, il devient mature aujourd'hui. D'ailleurs, la société de conseil Gartner, qui est un peu le guide Michelin des technologies, il propose pas mal de documentation sur le low-code. Ce que j'ai vu, c'est qu'il s'agit d'un marché de plusieurs milliards de dollars qui devrait être multiplié par 5 dans les prochaines années. Il répond donc à un vrai problème. Et quand je vois ça, je me dis que la génération automatisée de code, elle a un potentiel qui est au moins similaire, car elle peut répondre au même problème. C'est pourquoi, à mon avis, dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus d'investissements dans ce domaine. Mais alors, est-ce que cette technologie va mettre les développeurs au chômage? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il me semble que non. Les premiers clients de ces algorithmes de génération de code, d'après moi, ce seront les développeurs eux-mêmes. Et qu'est-ce qui me fait dire ça?
Eh bien, vous allez voir. La démo qu'on a regardée au début de la vidéo, elle construisait une application React sur base d'une description en anglais. Mais en réalité, qui utiliserait un tel outil? Quelqu'un qui ne pourrait pas coder? Je ne pense pas, car le code qui a été généré est vraiment loin d'être parfait. Et donc, ce code, il faudra le fignoler, l'ajuster. Et pour ça, bah, il faut savoir coder. Je vous montre ici un autre exemple qui vient de la même société. Il décrit en anglais un bouton qui ressemble à une pastèque. Et cela, bah, ça permet de générer un peu de HTML qui représente un bouton rond, coloré en rose, avec une bordure verte, comme une pastèque. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. On ne peut pas dire que ce soit prêt à être mis en ligne. Encore une fois, il faudrait un développeur pour rendre ce truc un petit peu moins moche. Du coup, je me trompe peut-être, mais il me semble que ces vidéos de démonstration, elles ne visent pas à séduire des clients, mais plutôt à attirer des investisseurs. D'ailleurs, la société qui est à l'origine de ces deux exemples, elle s'appelle Dibil.co, eh ben, cette société, elle est clairement dans une démarche de levée de fonds. On peut le voir sur Crunchbase, par exemple. Alors, on va regarder maintenant d'autres exemples. Dans cet extrait que j'ai trouvé sur Twitter, il génère du code SQL sur base d'une requête exprimée en anglais. Et cet exemple est également très impressionnant. Et on imagine clairement le temps que l'on peut gagner en n'ayant pas à demander à Jean-Michel de l'IT dans quelle base de données et quelle table on peut retrouver telle ou telle information. Mais encore une fois, qui a besoin d'écrire des requêtes SQL? Les développeurs. Et allez, je vous montre un dernier exemple, juste pour le fun. Et là, on est dans Inception. Car ce qu'on voit, c'est qu'on utilise un modèle d'intelligence artificielle pour coder un modèle d'intelligence artificielle. Ici, il crée un réseau de neurones convolutif capable de faire des prédictions sur des images. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre tous ces exemples? Eh bien, pour dire qu'on peut placer les publications sur le web sur une échelle avec deux extrémités. D'un côté, il y a celle qui vise à informer, et de l'autre côté, il y a celle qui vise à séduire. Et avec ces exemples, on est clairement plus dans la deuxième catégorie, la séduction. Mais alors du coup, est-ce que ces démos, ce sont des impostures? Est-ce que c'est faux? Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'ils ont vraiment des modèles d'intelligence artificielle qui ont généré ces exemples. Mais je soupçonne qu'ils ont choisi des exemples qui marchent parmi un énorme nombre d'exemples qui ne fonctionnent pas. Sur le site Hacker News, un utilisateur parle de cherry picking. Car c'est un peu comme si l'on choisissait de cueillir les belles cerises et qu'on laissait sur le cerisier tous les fruits qui sont moches. Je vous invite à regarder le projet Autocoder. Son auteur, qui s'appelle Kangong Wang, est un chercheur au University College de Dublin. Et il essaie de créer son propre générateur de code. Et si l'on reprend l'échelle dont nous avons parlé un peu plus tôt, cette publication-là, elle est clairement du côté informatif. Car ce chercheur, il n'a rien à vendre et il ne cherche pas à lever de l'argent. Il se pose simplement la question suivante. Est-ce que les générateurs de code, ils peuvent raisonner? Et pour répondre à cette question, il fait l'expérience suivante. Il demande à son générateur de code de compléter une fonction Python nommée factorial avec un argument n. Et le code généré, il est presque parfait. Et ensuite, il demande exactement la même chose, sauf qu'il remplace la lettre n par la lettre m. Et là, le code généré, il n'a plus aucun sens. Et si je simplifie un peu sa conclusion, je dirais que l'auteur explique que le modèle reproduit le code qu'il a vu dans les exemples qu'on lui a montrés. Et donc il reproduit ces exemples sans vraiment comprendre le sens du code. En fait, c'est un peu comme si un perroquet répétait des raisonnements super intelligents, mais seulement par mimétisme, sans en comprendre le sens. Mais il est toujours possible de faire des exemples super impressionnants grâce au cherry picking. Et mon intuition, c'est que c'est ça qu'on a vu dans les exemples précédents. Après, je me trompe peut-être. Et je serais ravi d'avoir votre opinion dans les commentaires. Et puis, au fond, si ces sociétés, elles lèvent assez d'argent et qu'elles engagent les bons chercheurs, elles vont peut-être finir un jour par produire quelque chose qui fonctionne vraiment. Disons qu'ils sont dans une approche « fake it until you make it ». Pour illustrer ce que je viens de dire, si on reprend le premier exemple qui crée une application React qu'on avait vu au début, eh ben, ce qu'on nous montre, au fond, c'est un algorithme qui ne fait aucune erreur. Alors qu'il est très probable que si on avait écrit « a button saying » plutôt que « a button that says », le code généré aurait alors été totalement différent et peut-être même complètement inutilisable. Donc pour ces raisons, en gros, mon avis est que ce n'est pas demain qu'on va avoir des logiciels magiques qui créent une application sur base d'une description et qui volent le travail des développeurs. Par contre, et c'est toujours mon avis, ce que l'on va voir arriver rapidement, ce sont des outils d'autocomplétion pour les développeurs. Et là, je ne me base pas sur un tweet promotionnel trouvé au hasard, mais sur une publication scientifique très récente. En fait, il y a 3 mois, Microsoft a publié un article dans lequel ils présentent IntelliCode Compose. Et dans cet article, techniquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajusté un modèle de type Transformers pour créer un générateur de code. Et ils ont entraîné ce modèle sur 52 000 repositories GitHub. GitHub qui d'ailleurs appartient aussi à Microsoft, c'est pratique, non? Alors j'ai parlé de Transformers. Si vous demandez ce que c'est, en gros, ce sont des modèles d'intelligence artificielle
qui ont été mis au point il y a quelques années et qui sont vraiment performants pour traiter du texte. Alors j'en parle dans ma vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui veulent comprendre en détail comment fonctionnent ces modèles de Transformers, Thibaut Neveu a publié récemment une vidéo qui explique le fonctionnement de ces modèles. Bref, on revient à notre article. Les chercheurs de Microsoft, ils ont obtenu des résultats qui sont plutôt encourageants. Et pourquoi est-ce que Microsoft a développé ce générateur de code, à votre avis? Eh bien, parce qu'il possède un des éditeurs de code les plus utilisés au monde, VS Code. Et c'est là, à mon avis, l'usage premier de la génération de code. C'est ce qu'ils appellent l'autocomplétion intelligente. Donc on parle ici d'autocomplétion intelligente parce que tous les développeurs utilisent déjà l'autocomplétion. Sauf que dans la plupart des cas, cette autocomplétion, elle se base sur des librairies que l'on a installées dans notre environnement, ou bien sur les variables et les fonctions qu'on a mentionnées plus haut dans notre fichier. Or, l'idée ici, c'est d'aller plus loin, c'est de comprendre l'intention du développeur pendant qu'il rédige son code, et du coup de lui proposer de compléter sa fonction ou le module qu'il est en train de coder pour lui. C'est ça l'autocomplétion intelligente. Et d'ailleurs, il existe déjà des outils qui proposent ce genre de service. Il y a Tab9 par exemple, ou bien Kite. Alors Tab9, il utilise un modèle d'intelligence artificielle qu'ils ont appelé DeepTab9, et il le présente sur le blog, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc voilà, on a exploré ensemble les enjeux autour de la génération automatique de code. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les démos et tous les outils qu'on a regardés, que ce soit Dibbled.co, Tab9 ou encore IntelliCode Compose, toutes ces solutions, elles sont basées sur des modèles de deep learning de type Transformers. Il se passe quelque chose, hein, non? Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi est-ce que les Transformers, ils ont changé le game. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve partout? Et si ça vous dit, on peut faire aussi un petit tutoriel pour que vous puissiez créer votre propre générateur de code. Si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez retrouver toutes les références que j'ai citées dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver sur l'article que j'ai publié sur le blog Pensée Artificielle. Le lien est dans la description. Allez faire un tour sur ce blog, il est vraiment super. Et moi je vous dis à bientôt !